après analyse du démineur qui a été sur place pour faire le lever de doute, c'était un sac d'écolier. Il l'avait oublié, il avait mangé là le midi, il l'avait oublié. Et nous, ça nous fait une intervention avec un rayon de sécurité pris sur les lieux. Les Jeux Olympiques, comme pour tous les services de la préfecture de police, sont un enjeu absolument considérable. Pour ce qui est de la problématique du déminage, il y a deux étapes qui sont très séparées pour nous. Des étapes d'inspection des sites, puisque chacun des sites des Jeux Olympiques vont être inspectés avant d'être livrés à l'organisateur. Et deuxième activité qui va là aussi qui va être menée en parallèle, qui sont, on imagine que compte tenu je dirais, de la population qui va se déplacer lors des Jeux Olympiques, on risque d'être confronté à une augmentation je dirais, des colis abandonnés, des colis suspects. Ça fait maintenant plus de 18 mois que nous préparons les Jeux Olympiques. Ça fait 18 mois que nous avons un dialogue constant avec Paris 2024, avec nos autorités, de telle manière à définir le juste niveau d'intervention du déminage.